Nous ne saurions admettre d'être spoliés de notre victoire à l'élection municipale du 2 septembre 2023 à Yopougon, prévient Michel Gbagbo à ce qu'il a appelé un ballon d'essai du candidat Adama Bictogo, reçu sur un plateau de télévision comme maire de la commune de Yopougon, au moment où le Conseil d'État se penche encore sur les contentieux du scrutin. Pour le camp de Michel Gbagbo, au regard des nombreux éléments de preuve, le Conseil d'État ne peut que reconnaître la victoire du candidat du Parti des peuples africains. Nous tenons à démentir catégoriquement cette information, l'exposant comme maire. Le maire actuel de la commune de Yopougon est M. Gilbert Kone Kafana. M. Adama Bictogo n'a pas gagné l'élection municipale à Yopougon. Nous en appelons au conseiller d'État pour qu'il ne se laisse pas intimider par le sieur Adama Bictogo et qu'il dise le droit en proclamant la victoire du vrai vainqueur de l'élection municipale du 2 septembre 2023, Gbagbo Michel Koudou. Nous allons réagir à toute forfaiture, a dit le directeur communal de campagne Kwadio Kwasi Bertin, dit le cacabé de Gbagbo, qui dénonce de graves irrégularités dans le processus électoral. Toutefois, il dit avoir confiance au Conseil d'État pour proclamer les vrais résultats des urnes. J'ai le regret de vous dire qu'aucune tablette n'a fonctionné à Yopougon. Aucune tablette. Autre chose pour la compilation. Il nous a été dit que la compilation se fait à Yopougon. C'est-à-dire que la seule départementale fait la compilation. Et les résultats provisoires sont proclamés par la seule départementale. Le dépouillement commence. Nous sommes à 75% du dépouillement. Le candidat Gbagbo Michel Koudou est en avance. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo appelle les sympathisants et l'ensemble des populations au calme et leur demande de rester mobilisés dans l'attente des résultats des requêtes devant le Conseil d'État.